Alléluia, 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 glory to God, glory to God, glory to God, glory to the Father, Holy, to the Holy Spirit, glory to the Son, Holy Spirit, Holy Spirit, we call your presence, Holy Spirit, we call your power, Holy Spirit, we call your anointing tonight, come and reign in this place, come with your power, come with your glory. Glory, come down and break the chain, come down and break the chain. Every spirit that torment us, Father, come and knock them down in the name of Jesus. Cast them away now in the powerful name of Jesus. Holy Spirit, with your power, with your presence, move in this place. Move in power, move in glory. Because we are your children, because we count on you. Come down and move in this place. Come down and remain in this place. Come down and dwell in this place. Stay in our life, stay in our life, in our soul, in our spirit. We need you more than before. We need you more than before. We need you more than before. Sekere kasa la pata kata. Broso toko lo broko sukaya. Brachete kele brasi kete bra. Broso kache le bra kata la bra. Broso toko shikaya kata kala bra. Sou la bra sete le broso toko sheke le bra. Abrache le koso toko lo braka. Sete te kele bresi la broso ka. Brache kele broso ya la bra kata. Bresete le broso toko sheke le bra kaya. Re le broso toko sheke te bra kasa taya bra seke le broko ye le kala bra. Pull down those strongholds. Pull down those strongholds. Pull down those strongholds. Pull down those chains. Pull down those chains. Pull down those fortress. In the name of Jesus, those mountains, pull them down in the name of Jesus. Those mountains, pull them down in the name of Jesus. Any stronghold that held in our body, in our mind, pull them down in the powerful name of Jesus. Pull them down in the powerful name of Jesus. They have no more place. They have no more power because you are seated upon the throne. You are seated upon the throne and you reign from eternity to eternity. There's no one like you, Father. There's no one like you, Yahweh. There's no one like you, Jehovah. We fight any spirit. We fight any power that possess, that oppress us. In the name of Jesus, we fight them and we cast them away. Wherever they come from, we disconnect ourselves from that source. We disconnect ourselves from that source. Any source of darkness that still connects the spirit or the kingdom of darkness to our life, we disconnect ourselves tonight. We disconnect ourselves tonight. We disconnect ourselves tonight. We disconnect our spirit tonight. We disconnect our soul tonight in the name of Jesus, in the name of the Father, in the name of the Spirit. We shake any chain. We shake down any chain of captivity. We shake down any chain of captivity. Spiritual captivity, natural captivity, mental captivity. We shake them down by the power of the blood of Jesus. We shake them down by the power of the name of Jesus. They have no more power. They now have no more power. They have no more strength upon our life. They have no more stronghold upon our life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the fire. Let the fire consume every evil seed that has been planted in our destiny. That has been planted in our life. That has been planted in our mind. That has been planted in our spirit. Let the fire of God consume them. Consume them. Let the fire come down. Let the fire come down. Let that fire destroy. Let that fire destroy them. Let that fire destroy them. Let that fire destroy them. We fight any spirit from the pit of darkness that fight against our destiny, that fight the work of God in our life. We fight against them.
them. As we release the fire, as we release the fire, as we release the fire against the kingdom, let the name of Jesus, let the name of Jesus be settled in our life, be settled in our destiny, be settled in our family, be settled in our household. Let the name of Jesus be settled, like be a light. Let that name be a light in your life. Let that name be a light in your family. Let that name be a light in your destiny. Let that name be a light in your ministry. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Brasete kelebrakata. Kasete kelebrosoto kosakata. Que le nom de Jésus-Christ soit établi sur ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit établi sur ta destinée. Que le nom de Jésus-Christ soit établi dans ton lieu de service. Que le nom de Jésus-Christ soit établi dans ta famille. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Et en cette soirée, je me lève contre les forces des ténèbres. En ce moment, je me lève contre les puissances des ténèbres qui viennent te tourmenter, qui viennent t'oppresser, qui viennent te décrire. Je me lève contre le royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils viennent contre toi avec le char et leur épée. Ils viennent contre toi avec le javelot et le bouclier. Je me lève contre eux au nom de l'Éternel des armées. Je me lève contre eux au nom de l'Éternel des armées. Je me lève contre leur royaume. Je me lève contre leur programme. Tout ce qu'ils ont programmé pour perturber ta vie, pour perturber ton ménage, pour perturber ta famille, pour perturber ta santé ou celle de tes enfants. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi, contre ta destinée, contre ta famille, je m'oppose à eux ce soir. Au nom puissant de l'Éternel, je déclare et décrète que leurs programmes sont annulés sur ta vie. Je déclare et décrète que leurs programmes sont annulés sur ta destinée. Je déclare et décrète que leurs programmes sont annulés sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu as planifié. J'annule leur programme ce soir. J'annule les programmes de l'enfer sur ta vie. J'annule les programmes de Satan sur ta vie. J'annule les programmes de la sorcellerie sur ta vie. Ceux qui viennent te tourmenter, que ça soit dans tes rêves, que ça soit dans le spirituel, que ça soit dans le naturel, je me lève contre eux ce soir. Je me lève contre leur royaume ce soir. Je me lève contre leur secret ce soir. Là, ils se rassemblent pour te perturber. Là, ils se rassemblent pour t'attaquer. Que le feu les localise ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 I release the fire. 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 I release the fire against the kingdom. 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 In the name of Jesus. 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 Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que tu répètes après moi ce soir que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. J'aimerais que tu répètes après moi que Jésus-Christ est Seigneur dans ta situation. Que Jésus-Christ est Seigneur dans ta famille. Que Jésus-Christ est Seigneur dans toutes tes activités et dans toutes tes entreprises. J'aimerais que tu répètes après moi ce soir que Jésus-Christ est Seigneur dans tous tes challenges et dans tous tes combats. Tous les combats que tu traverses. J'aimerais que tu répètes après moi ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Non pas seulement que tu répètes que Jésus-Christ est Seigneur, mais que tu proclames. Proclame ce soir que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie.
Jésus-Christ est Seigneur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur dans ma destinée. Jésus-Christ est Seigneur dans mon couple. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de mes enfants. Jésus-Christ est Seigneur dans toutes mes activités et dans toutes mes entreprises. Proclame cela ce soir avec moi. Certainement, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient les limitations que tu fais face, dont tu es en train de faire face, proclame cela avec moi que Jésus-Christ est Seigneur. Non pas seulement Jésus-Christ est Seigneur, mais en cette soirée, quels que soient les défis, les challenges, les combats dont tu fais face, l'Éternel va se glorifier et va se manifester. La Bible déclare qu'il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Et être assis sur le trône, ça veut tout simplement dire qu'on règne. Lorsqu'on dit que quelqu'un est assis sur le trône, ça veut dire que l'autorité est soumise à cette personne. Et Jésus-Christ est assis sur le trône et il règne d'éternité en éternité, de génération en génération. Tout pouvoir a été créé par lui et pour lui. Il est assis sur le trône, ça veut dire que c'est lui qui commande. Alléluia. L'autorité, c'est lui qui commande. Et s'il est assis sur le trône, il a l'autorité. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, qu'il est Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors ce soir, si Jésus-Christ est Seigneur, alléluia, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Et lorsqu'on parle de langue, confesse, ça veut dire que tout problème, tout démon, toute attaque, tout ce qui est spirituel ou tout ce qui est naturel, qui porte un nom, doit fléchir lorsque le nom de Jésus-Christ est élevé. Et c'est pour cette raison que lorsque tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, alors tous d'autres genoux doivent fléchir. Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ qui est dans ta vie, présentement que je suis en train de parler, présentement que je suis en train de prophétiser, tout ce qui est dans ta vie qui ne vient pas de Jésus-Christ, tout ce qui est dans ta vie qui a été planté par l'ennemi, tout ce qui est dans ta vie qui a été placé par l'ennemi, commence à fléchir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'honore pas l'Éternel dans ta vie, tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ sur ta vie, commence à fléchir. Je déclare que tout ce qui a été élevé dans ta vie, je déclare que tout ce qui a été bâti dans ta vie, je déclare que tout ce qui a été semé dans ta vie, qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ, commence à fléchir au son de ma voix, qu'il fléchisse. La maladie fléchit, la limitation fléchit, la pauvreté fléchit, le blocage fléchit, la stérilité fléchit, le péché fléchit, la frustration fléchit, la sorcellerie fléchit, toute attaque satanique fléchisse. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui te tourmente, que tout ce qui t'oppresse, au nom de Jésus-Christ, doivent fléchir maintenant, doivent fléchir leurs genoux dans ta vie, dans ton ministère, au nom de Jésus. Grâce à ta cabra, c'est qui des bras à ta bras. I feel the power of the Holy Ghost tonight. I feel the Spirit of God who is here tonight to set someone free tonight. I feel that power in my inner body, in my inner spirit. And I know that same power that is here, that same power that is moving upon my life, I know that same power is going to touch you tonight at the point of your need, whatever you want, whatever you're going through. I know the Spirit of God going to set you free. I know the Spirit of God going to break those chains. I know the Spirit of God going to pull those strongholds, those shrines that has been raised to fight your destiny, to fight your future, to fight your life. I know that power is here, the power of restoration. Because God is seated upon the throne. I know God going to do something special tonight in your life. And nothing can stop Him. Nothing can hold Him. Nothing can stop the power of God to set you free. No power
in the face of the hurt is greater than the power of God. That's the reason why we call upon His name in those situations. When we need Him, we call upon His name. Brasete kelebro soko. And I feel that power tonight. I feel that hands tonight to break any chain that torments you. I feel that presence. Oh, I feel the spirit of restoration to restore your soul tonight, to restore your body, to restore every cell of your body that has been destroyed by the enemy. Halala. I feel it tonight. Bra celebro kota. Celebri la bra. Soto ko seke seke le bra sata bra celebro kosoka. Elebra sete ke si la bra kosoto koshika. Que cette onction te touche, te localise. Que cette onction te touche, te localise. Que cette onction te touche, te localise. Que cette onction te libère, te localise. Que cette onction te libère et brise les chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute opposition, ce soit au son de ma voix, se transforme en soumission. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es soumis au son de ma voix, quel que soit ce que l'ennemi a programmé contre ta destinée ou contre la destinée de tes enfants, quels que soient les plans stratégiques, spirituels, occultes, naturels de l'ennemi programmé contre ta vie ou programmé sur ta vie, je les annule ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je les renverse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils n'ont plus de pouvoir. Je déclare qu'ils n'ont plus d'autorité. Je déclare qu'ils n'ont plus de contrôle. Toute force invisible ou toute force mystique spirituelle qui manipule encore ta vie, qui manipule ton ménage, qui manipule ta santé, qui manipule ta famille, qui manipule ton travail, je déclare qu'ils n'ont plus d'autorité ce soir. Car Jésus-Christ est Seigneur. Car Jésus-Christ est Seigneur. Et il est assis sur le trône. Et c'est lui qui règne. Il est assis sur le trône. Et c'est lui qui règne. Il est assis sur le trône. Et c'est lui qui commande. Il est assis sur le trône. Et c'est lui qui commande. Il est assis sur le trône. Et c'est lui qui règne. Brassete kelebro. Sata brache les bruka. Kelebro soto koyebra. Sata kashila bro sukakata. Brelebro soto koyebra. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, reçois la gloire pour les délivrances et les restaurations qui sont en train de prendre place présentement. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci, car tu es notre Dieu et nous sommes le fruit de ton ouvrage. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta grâce qui est abondante sur nos vies. Cette grâce, Seigneur, qui nous touche ou qui nous couvre au point de nos besoins. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de ceux-là qui sont en train de m'écouter ce soir. Merci, Seigneur, et je prie que tu fortifies chaque membre de ce groupe de prière. Seigneur, que tu les fortifies et que tu ranimes le zèle de te servir dans le cœur de tous ceux-là qui me suivent ce soir. Je prie, Seigneur, aussi que tu continues à faire grandir ton onction, ta puissance et ta présence dans la vie des pasteurs, dans la vie des serviteurs de Dieu qui sont sur cette ligne de prière. Que tu ouvres leurs yeux spirituels et leurs oreilles spirituelles afin qu'ils voient les choses, Seigneur, que les autres ne peuvent pas voir. Afin qu'ils comprennent les choses, les mystères de ton royaume que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. Afin qu'ils puissent, Seigneur, mener à bon terme l'œuvre pour laquelle tu les as appelés, cette commission que tu as placée dans leurs mains. Alléluia. Peuple de Dieu, je bénis le Seigneur qui est avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ qui est toujours avec nous, qui écoute nos prières. La Bible déclare que chaque fois que nous nous présentons devant le trône de gloire de l'Éternel et que nous élevons nos mains vers lui, il agit, il écoute nos prières, il exauce nos prières, et il agit en notre faveur. Bien-aimés, ne sous-estimez pas le temps que nous prenons pour élever nos voix à l'Éternel. Ne sous-estimez pas ce temps-là. Parce que durant ce temps-là, Dieu peut faire des merveilles. Dieu peut changer des situations, alléluia, dont tu ne t'imaginais même pas. Des situations qui ont perduré pendant des années,
En quelques minutes, Dieu peut les changer. C'est pour cette raison que nous devons tout le temps prendre au sérieux, alléluia, le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Et particulièrement cette soirée prophétique. Et à chaque fois que je me connecte samedi soir, pour élever ma voix et pour prier, pour déclarer en tant que prophète de l'Éternel, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, je vous invite et je vous encourage d'être là. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a en programme. Vous ne savez pas ce que Dieu a en programme. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alors, bien-aimés, comme je le dis toujours, comme je le déclare toujours, lorsque vous venez dans la présence de l'Éternel, venez avec cette expectation qu'il va faire quelque chose de nouveau. Et je sais ce soir, et je le ressens au plus profond de mon être, que Jésus-Christ a fait quelque chose de nouveau, non pas seulement dans ta vie, mais aussi dans ma vie. Je le ressens cette énergie, je ressens cette onction, je ressens cette présence, je ressens cette force, cette puissance qui est en train de se déplacer au plus profond de mon être. Alléluia. Je ressens ce rafraîchissement, alléluia, qui est en train de couler en moi comme de l'eau fraîche. Car Dieu est en train de faire quelque chose ce soir. Je ressens la présence de l'Éternel qui est en train de restaurer la vie de quelqu'un qui était dans des problèmes, quelqu'un qui traverse des moments difficiles présentement. Je sens cette onction qui est en train de rafraîchir ta vie, de rafraîchir ta destinée. Alléluia, alléluia. Ce soir, je vais rapidement parler des plans et des programmes de l'ennemi. Avant que nous entrons dans la dernière partie de ce programme, de soirée prophétique, où nous allons prier contre les mauvais programmes de l'ennemi. Et lorsque je parle des programmes de l'ennemi, il faut savoir que l'ennemi a des programmes, a des plans pour nous. La même façon que Dieu a des plans pour toi et moi, de la même façon l'ennemi aussi a des plans pour toi. Alléluia. La Bible déclare ceci dans le livre de Jérémie, « Je connais les plans que j'ai pour toi, qui sont des plans de bonheur, de prospérité et pour te donner un avenir meilleur. » Ça, ce sont les plans que Dieu a pour toi, ce sont les plans que Dieu a pour moi. En quelque sorte, les plans de Dieu pour nous, selon Jean chapitre 10, verset 10, c'est que nous ayons la vie éternelle et la vie en abondance. Alléluia. Ce que nous ne souffrons pas, nous soyons une bénédiction. Alléluia. Pour nous, pour notre famille et pour notre entourage. Ça, ce sont les plans que Dieu a pour toi. Alléluia. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, lorsque tu es né en Christ. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont nés en Christ, il a fait d'eux des enfants, des fils de Dieu. Alléluia. Mais il faut aussi savoir que l'ennemi a aussi des plans. Il a les plans aussi. Il a des programmes qu'il a planifiés et qu'il veut imposer sur nos vies. La Bible dit ceci, l'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Ça, ce sont les plans de Satan. C'est les plans de l'ennemi contre la vie des hommes, des femmes, en particulier la vie des enfants de Dieu. Parce que toi qui m'écoutes ce soir, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et au travers de Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es devenu un fils ou une fille de la promesse. Et du fait que tu es devenu un fils ou une fille de la promesse, automatiquement, Satan commence à avoir des plans sur ta vie. Et ces plans, comme j'ai dit, qui se trouvent dans Jean chapitre 10, verset 10, ce sont des plans pour tuer, détruire et voler. C'est pour cette raison que vous allez voir que lorsqu'on devient des enfants de Dieu, nous sommes persécutés, nous sommes oppressés. Alléluia. Il y a des choses dans nos vies qui ne se passent pas comme ils doivent se passer. On a programmé quelque chose. Tu programmes quelque chose dans ta vie. Alléluia. Mais tu te rends compte que tout ce que tu as programmé va en échec, va en pagaille. Tout ce que tu as programmé ne marche pas. Tout ce que tu veux n'arrive pas dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu veux rire, ce sont les pleurs qui viennent dans ta vie. Lorsque tu veux manger, c'est la famine qui vient dans ta vie. Lorsque tu veux te lever pour marcher, c'est la maladie qui entre dans ton corps. Lorsque tu veux maintenir ou tu veux entreprendre quelque chose qui va être une bénédiction pour toi, qui va être une bénédiction pour ceux qui sont aux alentours de toi, soit tes projets vont à l'eau, soit ça ne marche pas, soit tu investis quelque part là-haut et il n'y a pas de retour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a ce principe qu'il faut comprendre, bien aimé, de la même façon que Dieu nous regarde, pour que nous réussissions,
De cette même façon, l'ennemi nous regarde pour que nous échouions. Alléluia. Et l'ennemi a un programme, ce que l'on appelle les mauvais programmes. Ils ont des programmes. Et lorsque tu es en train de dormir, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Et c'est pour cette raison qu'il est important pour tout enfant de Dieu de persévérer dans la prière, de persévérer dans la méditation de la parole de Dieu, de persévérer dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, ce n'est pas facile. Le combat est rude. Alléluia. Le combat est difficile. C'est pour cette raison que c'est difficile pour nous de rester permanemment dans la présence de Dieu. Parce que qu'est-ce que l'ennemi fait? La stratégie de l'ennemi, bien-aimé, c'est de te garder au maximum loin de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que lorsque tu es loin de la présence de l'Éternel ou loin de la présence de Dieu, il peut réaliser ses plans dans ta vie. Ça sera facile pour lui de réaliser ses plans dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es éloigné ou hors de la présence de l'Éternel, ça veut tout simplement dire que tu es hors de la couverture de Dieu. Tu es hors des ailes de la présence des ailes de l'Éternel. En ce moment, l'Éternel n'est plus un refuge pour toi. Il n'est plus une haute tour, une forteresse où tu cours, où tu trouves abri au moment de la détresse. Mais l'ennemi va tout faire pour nous décourager. Alléluia. Par exemple, vous qui êtes connecté à cette ligne de prière, lorsque la parole de Dieu dit ceci, l'Éternel est un refuge et une forteresse pour moi. Cette ligne de prière est un refuge et une forteresse pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, du moment que vous êtes en train de m'écouter, alléluia, vous êtes dans la présence de Dieu. Du moment où vous êtes en train de m'écouter, ou du moment où nous sommes en train de prier ensemble, alléluia, l'Éternel nous couvre avec ses mains. Il nous couvre avec sa présence. Il nous couvre avec son Saint-Esprit. Et nous sommes dans sa présence. Alléluia. Et lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel, tout ce que l'ennemi a planifié, les plans, les programmes de l'ennemi contre nous sont exposés, sont annulés. Alléluia. Et c'est pour cette raison que l'ennemi va tout faire et tout mettre en œuvre pour que tu ne sois pas là où il y a la prière. Il va tout faire, il va tout mettre en œuvre pour que tu ne trouves plus, alléluia, tu ne trouves plus le temps pour prier. Il va tout faire pour te retirer, il va tout faire pour que tu n'aies plus cet intérêt pour la prière, cet intérêt pour lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait, alléluia, que lorsque tu vas perdre cet intérêt, ça sera maintenant facile pour lui d'appliquer ses programmes dans ta vie. Appliquer ses programmes dans ta vie. Et beaucoup parmi nous aujourd'hui, lorsqu'on regarde la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, sans même prier, sans même que l'Esprit de Dieu nous révèle ce qui se passe dans leur vie, automatiquement, on sait que leur vie est sur les attaques, est sur l'influence des programmes de l'ennemi. Leur vie est sur, est sur l'influence des programmes de l'ennemi. Ça veut dire tout simplement que les plans de l'ennemi sont en train de marcher dans leur vie. Les programmes de l'ennemi sont en train de marcher sur leur vie. Alléluia. L'ennemi a un programme qu'il veut appliquer sur nos vies. Jean chapitre 10, verset 10. Les plans pour tuer, détruire et voler. Ça, ce sont les plans que l'ennemi a contre ta vie. Toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, et comme je le dis toujours, c'est très important. Ce que nous faisons ici, c'est une histoire de vie ou de mort. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à un homme. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien à faire. Nous ne sommes pas là parce que nous cherchons à plaire aux hommes. Mais nous sommes là parce que nous avons compris ce que les autres n'ont pas compris. Tu es là parce que tu as compris ce que les autres n'ont pas compris. Tu as compris, alléluia, que pour toi, pour éviter que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent dans ta vie, pour éviter que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent dans la vie de tes enfants, tu dois demeurer dans la présence de l'Éternel. Tu dois demeurer dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Tu dois demeurer dans la puissance, dans la présence de Yahweh. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Et s'il est assis sur le trône, ça veut dire que c'est lui qui règne. S'il est assis sur le trône, ça veut dire que c'est
c'est lui qui commande. Et s'il est assis sur le trône, ça veut dire que ce sont ses plans qui vont être établis sur ta vie. Je connais les plans que j'ai pour toi, qui sont des plans de bonheur, des plans pour te donner un avenir meilleur, et non des plans de tristesse et de malheur. Il a dit les plans qu'il a pour toi sont des plans de bonheur, et non des plans de tristesse et de malheur. Combien de personnes sont en train de m'écouter présentement, et lorsqu'ils regardent leur vie, c'est les malheurs, c'est la tristesse, c'est la frustration, c'est la souffrance. Combien de personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui, alléluia, lorsqu'ils regardent leur vie, les programmes qui sont dans leur vie, c'est la tristesse, c'est la souffrance, c'est la détresse, alléluia, c'est les pleurs. Ça, ce ne sont pas les plans de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que l'ennemi a réussi à appliquer ses plans, son programme dans ta vie. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 25. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu 13, 24 à 25. Il leur proposa une autre parabole. Et si c'est Jésus-Christ qui parle, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Alléluia. La Bible nous dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Et lorsqu'on parle d'un homme qui a semé une bonne semence, et si on parle de Dieu, il a dit, je connais les plans que j'ai pour toi, qui sont des plans de bonheur, de prospérité, pour te donner un avenir meilleur. Ce sont les plans que Dieu a semés dans ta vie. C'est les pensées de Dieu pour toi. Parce qu'il faut savoir que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous sommes ses enfants, et chaque parent, les plans que chaque parent a pour ses enfants sont des plans de bonheur. Aucun parent ne veut que son enfant ne réussisse pas. Alléluia. En quelque sorte, aucun parent ne va te dire qu'il ne veut pas que son enfant réussisse. Aucun parent ne va te dire que oh, mon enfant ne doit pas réussir. Oh, mon enfant doit être le dernier. Oh, mon enfant doit être pauvre. Oh, mon enfant ne doit... Aucun parent ne va te dire ceci. Ainsi en est-il de notre Seigneur, de notre Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. La parole de Dieu parle de bonne semence. Donc il y a la bonne semence et il y a la mauvaise semence. Mais pendant que les gens dormaient, j'aimerais mettre l'accent aussi. Pendant que les gens dormaient, qui sont ces gens? Ces gens-là sont mis pour nous, pendant que nous dormions. Lorsqu'on parle de dormir ici, on ne parle pas du sommeil naturel. On ne parle pas de lorsque tu es en train de dormir, pendant la nuit, lorsque tu dors. Et si la Bible nous parle, paraphrase, alléluia, parle du sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est le moment où nous ne sommes pas attentifs. C'est le moment où nous ne sommes pas connectés à la présence de Dieu. Et lorsqu'on parle de dormir, la Bible parle de dormir ici, la Bible parle de ceux-là qui sont loin hors de la présence de Dieu. Lorsque tu ne peux pas prier, tu es en train de dormir. Et si c'est dormir spirituellement, pourquoi? Parce que tes sens spirituels ne sont pas éveillés. Donc ça veut dire que l'ennemi peut venir à tout moment dans ta vie. L'ennemi peut venir à tout moment dans ton rêve sans même que tu ne t'en rendes compte. Pourquoi? Parce que lorsque tu es éveillé spirituellement, ou lorsque tu ne dors pas. La Bible dit lorsque les gens dormaient, ou lorsque les gens sont éveillés. Nous sommes éveillés sur cette ligne parce que nous prions. Nous sommes en train de prier. Nous déclarons, nous prophétisons. Alléluia. Nous proclamons. Donc nous sommes éveillés. Donc ça veut dire tout simplement que si l'ennemi, alléluia, veut venir, comme la Bible dit, semer de l'ivraie, venir planter une mauvaise semence, il ne pourra pas parce que tu es éveillé. Le voleur attend toujours que tu dors. C'est pendant la nuit que le voleur cherche à entrer dans la maison des gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens dorment. Il sait que lorsque vous dormez, il peut venir, il vole, il pille, pas. Alléluia. Personne ne pourra se rendre compte parce que tout le monde est en train de dormir. Ça, c'est sur le plan naturel. C'est ainsi aussi sur le plan spirituel. L'ennemi est comme un voleur. Alléluia. Il vient semer la mauvaise semence lorsque nous dormons spirituellement. Lorsque nous n'avons pas une vie de prière.
Lorsqu'on n'arrive pas à prier, ça veut dire que tu es froid spirituellement. Donc, il peut ancrer et sortir comme il veut, parce que c'est spirituel. Il peut ancrer, sortir comme il veut. Il peut semer comme il veut. Il peut détruire comme il veut. Il peut tuer comme il veut. Il peut venir voler même la bonne semence que Dieu a plantée. L'ennemi peut le faire. Ce n'est pas seulement qu'il peut venir, il va venir planter la mauvaise semence. Ce n'est pas seulement qu'il va venir planter la maladie. Ce n'est pas seulement qu'il va venir planter la pauvreté. Ce n'est pas seulement qu'il va venir planter la souffrance. Ce n'est pas seulement qu'il va venir planter toutes mauvaises choses dans ta vie. C'est pour cette raison que vous allez voir certaines personnes parmi vous, il y a des moments où les choses rien ne marche. Il y a des moments où lorsque rien ne marche, échec après échec, maladie, pauvreté, problème ici, c'est partout autour de nous. Alléluia. Rien ne marche. Rien du tout ne marche. Alors que hier, tout allait semblait aller bien. On était en forme, on était en santé, tout allait bien. Nos projets, nos entreprises, tout ça marchait. Alléluia. On avait la faveur, on n'avait pas de problème. Mais subitement, on commence à se rendre compte que tout commence à basculer. Et lorsque tout commence à basculer, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme la parole de Dieu dit, l'ennemi vint semer l'ivraie parmi le blé. Et la Bible dit que l'herbe eut poussé et donné du fruit, et l'ivraie parut aussi. Donc ça veut dire que ça prend le temps. Lorsque on sème, on ne voit pas. Mais c'est avec le temps qu'on commence, ça commence à pousser, on commence à voir l'ivraie qui pousse. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi ce problème ici? Pourquoi ce problème là-bas? Pourquoi? Et comme je l'ai dit toujours la plupart du temps, lorsqu'un problème commence à jaillir ou à surgir dans ta vie, le problème-là n'a pas commencé le jour que tu as vu ou tu as perçu. Ce problème-là a commencé depuis. C'est une semence qui a été plantée lorsque tu dormais par l'ennemi. C'est une semence qui a été infiltrée dans ta vie par l'ennemi, par le voleur. C'est le programme de l'ennemi qui a été implanté dans ta vie. Mais tu ne t'es pas rendu compte, comme la Bible dit, lorsque les gens dorment, lorsque tu dors, c'est là que l'ennemi vient planter cette mauvaise ivraie. Lorsque tu dors, c'est là que l'ennemi vient planter la maladie. Lorsque tu dors, c'est là que l'ennemi vient planter la pauvreté. Lorsque tu dors, c'est là que l'ennemi vient planter la frustration. Il vient planter le rejet. Il vient planter toutes sortes, alléluia, de négativité dans ta vie. Et maintenant, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, tu commences à voir ces choses qui commencent à apparaître dans ta vie. Les choses dont tu ne t'attendais même pas. Les choses dont tu ne te rendais même pas compte, ça commence à apparaître dans ta vie. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La plus grande clé qu'un enfant de Dieu peut avoir, c'est avoir la prière. Et c'est une bénédiction pour tout un chacun d'entre vous qui avait la capacité de pouvoir m'écouter ce soir. Comme je l'ai dit tantôt, il y a de cela quelques jours, c'est une grâce d'être dans un lieu où on prie, une grâce d'être dans un lieu où on partage la parole de Dieu. Pourquoi ça vous permet d'être éveillé? Et lorsque je parle d'éveillé, je parle d'être éveillé spirituellement. Alléluia! Ça vous garde éveillé spirituellement. Ça aiguise vos sens spirituels. Ce sont des choses qui sont très profondes, bien-aimés. Ce sont des choses qui ont une portée spirituelle très profonde. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et ils prennent certaines choses. Ils prennent les choses de Dieu pour acquis. Alléluia. Lorsque nous nous connectons pour prier, lorsque nous nous connectons pour déclarer, lorsque nous nous connectons pour partager la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que nous voulons vous garder éveillé spirituellement. Quel que soit, alléluia, les programmes, quelle que soit la lourdeur de mes programmes, de tout ce que j'ai à faire, je me rassure toujours que je dois me connecter pour qu'on prie ensemble. Je me rassure toujours que je dois me connecter pour qu'on partage la parole de Dieu ensemble. Parce que je sais ce que l'ennemi peut faire. Je sais l'ampleur du programme de l'ennemi dans la vie. Si l'ennemi réussit à placer son programme sur ta vie, oh bien-aimé, tu vas souffrir. Si l'ennemi réussit à placer son programme et ça commence à pousser, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas souffrir si ce programme-là commence à passer dans ta vie et commence à grandir dans ta vie. Au lieu de te trouver dans cette situation, il sera préférable pour toi de rester éveillé. Alléluia. La Bible dit, l'ennemi vient pour tuer,
détruit et volé. Gloire à Dieu. Et lorsque tu te mets debout, il faut savoir ceci, bien-aimé, que tu aies l'argent, que tu sois en santé, que tu sois populaire, que tu sois célèbre, Satan s'en fout de tout ça. Satan ne t'attaque pas parce que tu as l'argent. Satan ne t'attaque pas parce que tu es intelligent. Satan ne t'attaque pas parce que tu es belle ou tu es beau. Satan ne t'attaque pas parce que tu as un gros compte bancaire. Satan ne t'attaque pas parce que tu es docteur, tu as tous les diplômes du monde. Satan ne t'attaque pas parce que tu es marié et tu as des enfants. Laissez-moi vous dire pourquoi Satan nous attaque. Satan ne t'attaque pas parce que tu as tout l'argent du monde, non. Satan ne t'attaque pas parce que tu as réussi, non. Satan nous attaque pourquoi? Parce que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu. Du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es adopté. Dieu t'adopte. Tu deviens son enfant. Alléluia. Il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils. Et c'est cet instant-là que Satan se lève contre toi. Ce n'est pas le fait que tu as réussi, ce n'est pas le fait que tu es sage, ce n'est pas le fait que tu es beau, que tu es intelligente, que Satan va s'attaquer à toi. Ce n'est pas le fait que tu es marié, ce n'est pas le fait que tu as des enfants, ce n'est pas le fait que tu as un bon boulot, que Satan va s'attaquer à toi. Non. Du moment où tu te lèves et tu acceptes Jésus-Christ, Satan s'attaque, alléluia, à ton alliance avec Dieu. Il s'attaque à toi parce qu'il n'est pas content que tu es devenu enfant de Dieu, que Dieu t'a appelé, Dieu t'a adopté. Dieu a fait de toi un enfant. Et là, il t'attaque pourquoi? Par jalousie. Satan nous attaque par jalousie, alléluia, de notre alliance, de notre communion, alléluia. Il nous attaque parce que la Bible dit que Jésus-Christ, au travers du sacrifice qu'il a fait de nous des enfants de Dieu, par l'adoption. Et non pas seulement il a fait cela, mais aussi nous sommes devenus héritiers des promesses de Dieu. Et pour être héritier, on sait que l'héritier est celui qui est reconnu comme enfant. Si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, tu ne peux pas être son héritier. Alléluia. Mais la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ des promesses de Dieu. Donc ça veut dire que nous, si nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ des promesses de Dieu, ça veut automatiquement dire que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons le même statut que Jésus-Christ, qui est fils de Dieu. Donc nous sommes les fils et les filles de Dieu. C'est ça que Satan attaque. Si tu n'as pas Jésus-Christ, Satan s'en fout de toi. Alléluia. Que tu aies toutes les richesses du monde. Déjà que les plus riches de ce monde sont des non-croyants. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Les milliardaires de ce monde, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Alléluia. Donc, s'il fallait que Satan s'attaque à quelqu'un parce que la personne a réussi, c'est qu'il allait aussi s'attaquer à tous ces milliardaires-là. Au contraire, c'est même lui qui le permet, c'est lui qui les fait prospérer. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Jésus-Christ, « Prosterne-toi devant moi. » Et qu'est-ce qu'il voulait faire à ce moment-là? Il voulait que Jésus-Christ régne, alléluia, la paternité de Dieu sur sa vie. Et Jésus-Christ l'accepte comme étant son Père, son Seigneur. Il a dit, « Prosterne-toi devant moi, Jésus-Christ. » En se prosternant devant, si Jésus-Christ se prosternait devant Satan, il reconnaissait Satan comme son Seigneur, mais il allait aussi reconnaître Satan comme son Père. Alléluia. Donc c'est ça que Satan attaque. Nous, il s'attaque à nous. Beaucoup de personnes vont se demander pourquoi Satan, même si tu es pauvre, tu n'as rien. Déjà même qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont pauvres, qui n'ont rien. Ils n'ont même pas de quoi manger, mais ils sont persécutés. Alléluia. Ils sont oppressés. Pourquoi ils sont persécutés, oppressés? Ils ne sont pas mariés, ils n'ont rien, mais ils sont persécutés, ils sont oppressés. Le simple fait qu'ils sont persécutés et oppressés, c'est le fait que, bien qu'étant dans leur situation, alléluia, qui n'est pas permanente, alléluia, ils sont reconnus comme étant enfants de Dieu. Dieu les reconnaît comme étant leurs enfants. Alléluia. Dieu les a adoptés. Et c'est ça que l'ennemi combat. Alléluia. Et la Bible dit que l'ennemi a les plans.
Donc, lorsqu'on dort la nuit, spirituellement, l'ennemi vient dans nos vies parce que nous sommes les enfants de Dieu planter cette semence. Pourquoi? Parce qu'il veut nous dérouter. Il veut nous perturber. Il veut nous décourager. Il veut rendre notre vie misérable. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il veut nous empêcher. Alléluia. Il veut nous empêcher de jouir de cette relation entre père et fils, entre père et fille que nous avons avec Dieu. Et c'est ça, sa mission première. Gloire à Dieu et gloire à Dieu. Et c'est ça que l'ennemi essaye de faire. Imposer ses programmes dans ta vie. Imposer ses programmes dans nos vies. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, que nous devons veiller. Alléluia, brasse et teke de brakata. Nous allons entrer dans notre dernière partie de ce programme de prière de cette soirée prophétique. Nous allons prier et nous allons faire des déclarations prophétiques. Alléluia. Pour décrire les programmes de l'ennemi sur nos vies. Nous allons prier ensemble, quel que soit le lieu où tu te trouves, là où tu es, là où tu te trouves, là où tu es, là où tu te trouves. Et l'Esprit de Dieu est en train de mettre dans mes pensées présentement que si tu as une bouteille d'eau avec toi, tu l'arrêtes lorsque je vais déclarer. Nous allons prier. Alléluia. Tu as une bouteille d'eau. Alléluia. Là où tu es maintenant, prends une bouteille d'eau. Quel que soit un gobelet d'eau, soit un verre d'eau, mais tu dois avoir de l'eau avec toi. Alléluia. Brassete, kélébré, sete, kélébra, sata, brassé, ké, séke. Brossoto, kosho. Là où tu es, prends une bouteille d'eau et nous allons déclarer, nous allons décrire les programmes de l'ennemi qui ont été semés dans ta vie. La mauvaise semence livrée que l'ennemi a semé dans ta vie. Lorsque tu dormais, ce soir, alléluia, nous allons les décrire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons les décrire au nom puissant de Jésus-Christ. Cette mauvaise semence qui cause la maladie, qui cause la frustration, qui cause la souffrance, qui cause la limitation, qui cause la pauvreté, qui cause la sécheresse spirituelle, qui cause le rejet. Alléluia. Nous allons les décrire ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons les renverser ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons les renverser ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi, comme j'ai dit, toi qui es en train de m'écouter, prends une bouteille d'eau, prends une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Tu dois avoir de l'eau, il y a de la puissance dans l'eau. Alléluia. La restauration se trouve dans l'eau. La délivrance se trouve dans l'eau. La sanctification se trouve dans l'eau. Brassete, kélébra, kasakata. Et une propriété du Saint-Esprit, c'est l'eau. Brassata, la bréché, kété, les brosso, koto, kouyabra. Sata, bréché, kété, les bréquete. Brosso, toko, ché, kété, les bras. Brassata, kabraché, ké, les bro. Brolo, bréké, si, la brakataka. Comme j'ai dit, là où tu es, lève-toi avec ta bouteille d'eau, avec ton verre d'eau, et déclare avec moi, déclare avec moi, déclare avec moi, déclare avec moi, prophétise avec moi, professe avec moi ce soir, car nous allons renverser les programmes de l'ennemi sur nos vies, nous allons renverser les programmes de l'ennemi sur la vie de nos enfants, nous allons renverser les programmes de l'ennemi sur la vie de nos familles, de notre couple, de nos ménages, nous allons renverser les programmes de l'ennemi sur nos lieux de service, sur nos destinées, sur nos projets, sur nos entreprises. Ce soir, nous allons les renverser. Brassata,
Nous allons renverser tous les mauvais programmes de l'ennemi sur nos vies. Nous allons renverser tous les mauvais programmes de l'ennemi sur nos vies. Nous allons renverser tous les mauvais programmes de l'ennemi. Tout ce qui a été planifié contre ta vie, tout ce qui a été planifié contre ta destinée, tout ce qui a été planifié contre ta famille, tout ce qui a été planifié contre ton esprit, tout ce qui a été planifié contre ton corps, brede 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 bala bala basoto koto basoto kobata bata brede 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 bala 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 bala. Continue à prier avec ta bouteille d'eau, continue à prier avec ton verre d'eau, bala 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 brede brede bolo basoto bolo ba tede bekete kese kete de boko soto koto bala baka seke de brata brede bolo kolo soko toko shikata baba 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 tede brede brede baba 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 satata kata baka da bako soko ye brede brede baba baba bolo basoto koso koto bala bala brede 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 bala bala suta kache kete tete 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 boko soto koto bala bala salaba cheke tete de bolo 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 ba brasse de bede 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 bro boko soko to kadara batata baba baba bede 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 bo suka ya tata bede be suka tara bada baba 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 sele be ke sete ke de bede bolo bo soko to ko che ke te ba brasata ba brasata ba bre ke se ke te de bede bede bolo 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 baba 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 bada bada baba 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 sele bede bolo 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 bo suka ya tara sete ke te de bolo ko soko to ko shika la baba baba bada baba 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 sele bede 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 bolo 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 baba 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 sata ba che ke de bolo bolo boko soto ko toka bede 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 baba baba ba sete de bolo bokota bede bede baba 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 sele bede bede baba 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 bada baba 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 baka sele bolo boko soto ko che ke te baba baba sala bala 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 baba 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 sele bede 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 baba baba bolo boso ko lo bolo baba baba sala baba 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 sele be sika la baba baba bala 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 baba sele bede 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 baba baba solo bolo 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 bla baba baba sala baba 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 sete kete 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 bede bede solo bolo 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 baka taka sele bede baba 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 sele bolo soko toko sheke le baba bala baba 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 solo boko soto koche kete kele baba basete kete le boko sokota bala ba sheke de bede baba baba solo boko sokolo baba baba sala ba shere bede baba 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 solo bolo 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 baba 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 sete ke sheke de baba 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 solo boko sheke de baba baba satata baba sheke de bolo sukala baba 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 sete kete ke sheke te kele bolo sokoto kolo baba baba basete kele bo sokoto koye baba baba sala ba sheke de bede 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 bolo bolo sila ba sataka la ba in the name of Jesus, 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 c'est bidi 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 baba. Tout agent humain des ténèbres qui œuvre sans cesse pour terminer ma vie et celle de ma famille soit décrit maintenant par l'épée du feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Bidi 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 baba. Père, délivre-moi de la puissance des ténèbres qui bloque mon avancement et mon progrès au nom de Jésus-Christ. Bélé, 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 baba. Bala, 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 bala. Sélé, bélé, 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 baba, baba, baba. Tout hôtel étrange des ténèbres qui retient ma destinée, disperse-toi maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Bélé, 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 baba, baba, bala, baba, 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 baba. Ma vie soit libérée de tout hôtel de destruction au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je décris les effets de tout sacrifice maléfique ayant été fait contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Bélé, 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 baba, 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 bélé, bélé, baba, 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 bélé, 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 baba, baba. Oh Dieu, lève-toi dans ta fureur et combat pour moi dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le feu dévorant de l'Éternel, je paralyse toutes les jambes maléfiques qui se déplacent pour me décrire au nom de Jésus-Christ. Par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de feu, je brise et je disperse toute réunion, tout rassemblement organisé contre ma vie et contre moi au nom de Jésus-Christ. Bélé, 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 bolo, 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 satala, baba, soto, koloba, satala, bashi, sekeliba,
que la colonne vertébrale de mes poursuivants entêtés et de tout homme fort têtu soit fracassé maintenant par le rocher des âges. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'annule mon nom et celui des membres de ma famille, celui de mon épouse, celui de mes enfants, de tout registre de la mort, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et je brûle les archives maléfiques par le feu dévorant de l'Éternel. Par le feu des vents de l'Éternel, bas célébrer Kesiki, bas célébrer Sekiki, bas célébrer Sekiki, bas célébrer Sekiki, bas salabra Chikalabra, brosso le brosso Tokoshi, Kasalabra Chikitiki, brosso le brosso Kotuka, batalabra Chikitiki libra, sous le brosso Kotakalabra, bas célébrer Sekiki libra, bas s'attacher Kitikiti, brosso le brosso Kotaka, bas s'attacher Kitikiya, brosso Koyebrakata, bas Sekiri. Brakata, braso koche keye broko soko ye brakata, bele brasika de bolo boko soukata, bala brese ke de broso koya bataka, se te bele ba, bele ba si la bada 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 bada, se le bele bada 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 bada, brase te bele boko soukotaka, brase le brese ke de ba, broso to koche ke te de braka, brase te ke de brasakata, broso lo koshi kalabra, brase le brese ke de bro, soto koto koto. Koyebra, basse te kelebro soukaya tatatatata, salabrata tatatata, salabrata katakatakata, brede brede bolo pour soukaya, brede 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 Bolo bossi kalabra baba, sete te te kelebra kasa kayabra, bosso to koche kelebra kalala, sete te kelebro sou kayabra, seke te debre seke te debra, seke debre seke te debra, soko lo bosso to kolobra, seke debre seke te kalabra. In the name of Jesus, hallelujah.